Aldrich, Saint of the Deep. Farron's Undead Legion, the Abyss Watchers. Reclusive lord of the profaned capital. Yon the giant. La révolte de Lothric va constituer le point de départ de Dark Souls 3. Suite à son abandon de son rôle de seigneur des cendres, le feu se meurt, faute d'un sacrifice pour l'entretenir. Afin d'éviter la catastrophe annoncée, la première flamme va ramener à la vie 4 seigneurs des cendres venus d'un autre temps. Ces êtres exceptionnels par leur puissance ont été autrefois sacrifiés, volontairement ou non, pour entretenir la première flamme. De manière obscène, ils sont ressuscités une nouvelle fois pour servir de carburant au feu. On peut imaginer qu'il s'agit des seigneurs les plus puissants à travers les innombrables cycles d'entretien de la première flamme. Mais 3 d'entre eux vont refuser une nouvelle fois ce sacrifice. De la même manière que Lothric, ils vont se rebeller contre l'ordre établi, constatant à leur retour la vacuité de leur ancien sacrifice. Ils abandonnent ainsi leur trône pour disparaître dans la nature. Mais c'est sans compter les anomalies temporelles liées à la fin du feu. Les anciens domaines des seigneurs des cendres vont apparaître autour du château de Lothric, comme appelés par leurs anciens maîtres. En résulte un chaos où vont s'accoler des régions normalement éloignées à la fois dans l'espace et le temps. Alors que tout converge vers le royaume de Lothric, rien ne semble pouvoir ramener les anciens seigneurs à leur devoir. C'est ainsi que le feu, dans un sursaut désespéré, finit par invoquer les mortes flammes, des êtres faibles ayant échoué à se lier au feu. Chers à Canon de la puissance mythique, ce sont des humains réduits en esclavage par le feu cherchant désespérément à entretenir leur propre puissance. C'est ce qu'incarne le joueur, des cendres sans feu qui, poussés par une impulsion, chercheront à terrasser les seigneurs pour leur voler leur puissance afin de la ramener à leur maître mythique. Mais bien sûr, les choses ne sont pas présentées ainsi. Nous sommes les mortes flammes, mort-vivant ayant une chance de rédemption en sauvant le monde de sa fin inéluctable, en triomphant de ces lâches seigneurs des cendres ayant abandonné leur devoir. Mais leur fuite était peut-être la chose la plus raisonnable. Dans cet épisode, nous allons voir en quoi chaque seigneur des cendres correspond à ce que Camus nomme le suicide philosophique. Contrairement à Lothric, qui assumait dans une certaine mesure les conséquences de son acte, les seigneurs des cendres n'ont pu supporter leur retour à la vie et le spectacle des conséquences de leur sacrifice. Chacun va incarner, d'une certaine manière, une position de fuite par rapport à l'absurde. Rappelez-vous, l'absurde est une expérience produite par un être rationnel qui tente de comprendre un monde qui se refuse à la clarté et à la raison. Chacun s'est offert à la première flamme pour une raison rationnelle, ayant pour finalité de conserver l'ordre du monde. Comment réagir après un tel sacrifice ? Lorsque nous sommes ramenés pour le reproduire, alors que tout ce en quoi nous croyons a disparu. What a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their moulding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. We're not fit to lick their boots. What do you really know about these Lords of Cinder, these supposed legends? Let's take Aldrich for one, a right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig, then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep. And they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask,
Do we have a sodding chance? Aldrich est représenté comme le seigneur des cendres le plus détestable. C'est un prêtre de la Voie Immaculée, un ordre religieux dévoué à la race des seigneurs. Dans la cathédrale des profondeurs, il commença à développer un goût prononcé pour la chair humaine. Emporté par une boulimie anthropophage, il se mit à dévorer les siens sans pouvoir s'arrêter. Les archidiacres Royce, Klimt et McDonnell, avides de pouvoir et faisant des recherches sur les abysses, y virent là une opportunité. Ils corrompirent leur ordre, encourageant les prêtres à pratiquer les arcanes abyssales qui transformèrent leurs âmes et leurs corps. Aldrich, lui, acquérait à chaque repas la puissance des âmes de ses victimes. Les archidiacres, entretenant son appétit, le déclarèrent saint des profondeurs et mit en place un culte obscène. Sur la route des sacrifices, des hommes en armes transportaient chaque jour de nouvelles victimes. Les enfants devinrent l'un des mets préférés de l'horreur qu'était devenu Aldrich. Celui-ci mangeait tant qu'il se transforma en un tas de chair informe noircie par la puissance des abysses. Quand le temps fut venu, il fut offert en sacrifice au feu. Ce dernier n'a que faire de l'héroïsme ou de la vertu. Il n'a besoin que de la puissance pour être entretenu, quelle que soit sa provenance. Si l'appétit d'Aldrich l'entraîna dans une vie absurde, cette dernière n'eut de sens que lorsqu'elle fut sacrifiée dans une chose qui avait aussi peu de sens. À sa résurrection, Aldrich eut une vision. Il entreaperçut l'âge des eaux profondes, un autre âge qui n'était ni l'âge du feu, ni l'âge des ténèbres. Refusant l'absurde qu'avait été sa vie d'antan, il décida de devenir le dieu d'un nouvel âge à venir. Il quitta son trône pour se rendre à l'ancienne cathédrale des profondeurs, rejoindre ses anciens serviteurs. On ne sait comment, mais il s'allia avec le sorcier Sullivan qui avait mis la main sur la cité boréale Tiritil et les rêves d'Anne Orlando. Piégeant Gwendoline, dieu lunaire et fils de Gwen dans l'ancien palais, il offrit l'ancienne déité à l'appétit féroce d'Aldrich qui le dévora lentement. Il devint ainsi le dévoreur de dieux. Le cas d'Aldrich est très intéressant car il constitue l'arc le plus développé de Dark Souls 3. Aldrich, en voulant devenir la nouvelle déité d'un âge à venir, refuse l'absurde. Toute sa volonté est tournée dans la croyance en ce nouvel âge. Il commet un suicide philosophique car il refuse l'absurde et préfère le mettre dans une transcendance imaginaire, c'est-à-dire lui-même, qui permettrait de tout expliquer. C'est là une démarche classique. Refusant l'absurde tel quel, nous nous réfugions dans la croyance dans une divinité qui permettrait de faire disparaître l'absurde. Plutôt que d'affronter la réalité de ma condition, je l'explique par la transcendance. De même, le tyran Sullivan, en manipulant Aldrich et en lui offrant Gwendoline, espère utiliser la croyance pour établir sa domination. En faisant d'Aldrich une nouvelle idole, il espère soumettre tous ceux qui, devant la fin du feu, préféreraient se réfugier dans la religion. Le dévoreur de Dieu fuit sa condition en tournant son regard vers un mythe venu de ses visions, comme il peut aussi devenir celui vers lequel, devant le caractère insupportable de l'absurde, nous allons nous réfugier. The Undead Legion of Farron is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The Legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Les Veilleurs des Abysses sont un groupe de morts-vivants qui jurèrent autrefois de lutter contre l'influence des Abysses. Ils tiraient leur puissance du sang du loup qui leur donnait une force surhumaine tout en les liant les uns aux autres. Le modèle de ceux que l'on appelait aussi la Légion de Farron était le légendaire Artorias, le Marchabis, un héros du premier âge qui sauva autrefois la ville d'Oulacil contre les ténèbres. La Légion, stationnée dans son bastion de Farron, lieu de l'ancienne Oulacil, se rendait où les Abysses se manifestaient. Leur puissance collective était telle qu'ils constituèrent un candidat de choix pour la première flamme. Si le sacrifice d'Aldrich était contraint par les archidiacres, celui des Veilleurs des Abysses semble un choix logique.
le mythe entretient l'idée que la mort du feu entraînera nécessairement le triomphe des abysses. Quelle fin plus rationnelle que d'opérer l'ultime sacrifice afin de sauver le monde de leur ennemi juré, mais leur retour à la vie dut être des plus décevants. Tout ce pour quoi ils avaient œuvré, leur bataille, leur sacrifice, tout cela n'avait servi à rien. Le feu se meurt de nouveau. Pharaon s'est transformé en immense bourbier corrompu, et les abysses suintent leurs maléfiques exhalaisons dans les catacombes de Cartus. Rien n'a changé, malgré le sacrifice fait. Fuyant eux aussi leur trône, ils retournèrent chez eux pour tenir leur serment, combattre les abysses. Si la première flamme n'avait pu tenir la promesse espérée, ils le feraient eux-mêmes par leurs propres moyens, comme ils l'avaient toujours fait. Hélas, une fois arrivés, les abysses commencèrent à corrompre les veilleurs les uns après les autres. Alors que tous ceux en quoi ils croyaient avaient disparu, il ne leur restait qu'une solution, tenir leur serment coûte que coûte. C'est ainsi qu'ils commencèrent à s'entretuer pour enrayer la propagation des abysses. C'est alors que nous arrivons et défaisons les derniers membres debout. Dans un dernier élan, la force restante du sang du loup sera regroupée dans un seul veilleur pour un dernier combat. Celui-ci nous fait le salut de la Légion avant de se lancer dans une dernière passe d'armes en l'honneur des siens. Le destin proprement tragique des veilleurs est assez significatif de cette fuite dont nous parle Camus. C'est un groupe de guerriers avec une discipline très forte et regroupés autour d'un but et de valeurs extrêmement puissants. Toute leur existence se légitime à travers leur lutte contre les abysses. Leur sacrifice fut lui aussi motivé par ce dessein. En contemplant la vacuité de leur sacrifice, ils connurent eux aussi l'expérience de l'absurde. Tout ce en quoi ils croyaient n'était plus, leur lutte avait été inutile et leur sacrifice vain. Combien des leurs avaient-ils perdu dans leur combat? Combien de victimes innocentes avaient-ils fait lors de leur purge pour stopper les abysses? Et tout cela pourquoi? C'est ainsi qu'ils fuirent le sanctuaire de l'Ichefeu, refusant cette fois de participer à cette comédie. Mais que faire? Que leur reste-t-il? Le poids de la révélation absurde est trop grand. Ils se tournèrent alors vers leurs serments et leurs valeurs, sombrant dans une forme de suicide collectif. La fuite ici, c'est le fait de se raccrocher désespérément à des valeurs, essayant de vainement conserver un sens qui n'existe pas. C'est cette attitude qui mènera la Légion à la pire des déchéances. La morte flamme, par son intervention, lui offrira un dernier combat à travers lequel elle pourra définitivement oublier sa tragique destinée. So that's how they're delivered to their thrones. I pity the sorry souls. Is that really Lordship's last reward? Yorm, old friend. I, Siegfried of the Knights of Katarina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this Lord of Cinder. Yorm le géant est sûrement le plus puissant des quatre seigneurs ressuscités. Si son histoire est extrêmement vague, la voici dans les grandes lignes. Yorm était un géant qui avait hérité d'un royaume d'hommes par un ancêtre conquérant. Les hommes, à cause de sa nature de géant, ne lui faisaient pas confiance. Cherchant le respect de ses sujets non à travers la force mais à travers la confiance, Yorm confia aux hommes une épée, le maître des tempêtes, la seule arme capable de le terrasser. Il se portait en avant de ses troupes dans chaque bataille, protégeant ses soldats derrière son immense bouclier. Yorm fut toute sa vie un grand monarque qui régnait avec justesse et majesté, ce qui malheureusement ne fit jamais taire les médisances et l'hypocrisie de ses vassaux. La capitale du royaume de Yorm fut malheureusement la proie de la flamme profanée, une flamme inextinguible liée aux ténèbres et qui corrompait les cœurs et les esprits, transformant les hommes en êtres difformes et grotesques. Yorm, qui avait connu la perte d'un être cher et qui était méprisé par les siens, n'avait plus rien à perdre. Allant jusqu'au bout de son devoir, il se sacrifia à la première flamme pour entretenir le cycle
et sauver son royaume de la corruption. Malheureusement, son sacrifice signa la fin de la capitale qui fut engloutie par les flammes. Était-ce le fait de la puissance extraordinaire de Yorm, ou une conséquence de la flamme profanée? Nul ne le sait. La capitale disparut sous terre et il n'en resta que des ruines avec des cadavres figés pour l'éternité par la puissance des flammes. Seule restait la flamme corrompue et les prêtresses qui la vénéraient. Lorsque Yorm revint à la vie, il vit le désastre de son lien avec la première flamme. Il avait toujours vécu pour le bien collectif, pour la gloire de son royaume et pour sauver ceux qui le méprisaient. Il avait toujours agi en monarque. Tout ça pourquoi ? Pour rien. Comme les autres seigneurs des cendres, Yorm fit l'expérience de l'absurde. Mais il n'avait ni valeur ni transcendance pour se raccrocher. Tout ce en quoi il croyait avait disparu avec son royaume. Il prit donc une autre direction de fuite, le suicide au sens littéral. Mais il était autrefois un grand guerrier. C'est dans le combat qu'il disparaîtrait. Mais cela reste une forme de suicide, de renoncement à la vie au sens littéral. Il attend, seul, dans les ruines de sa capitale, que la mort vienne. Et celle-ci viendra de notre part, mais aussi d'une main amie. Yorm possédait un deuxième exemplaire du Maître des Tempêtes, qu'il confia autrefois à son meilleur ami, Sigvard de Katarina, un des célèbres chevaliers oignons du royaume de Katarina. Jovial, courageux et fidèle, Sigvard resta longtemps aux côtés de Yorm. Ce dernier lui confia le Maître des Tempêtes en lui faisant promettre que s'il revenait à la vie, s'il manquait à ses devoirs, il devrait le terrasser. Sigvard, ressuscité en tant que morte-flamme, combattra à notre côté son ancien ami pour honorer sa triste promesse. Peut-être que Yorm avait anticipé une fourberie du feu. Peut-être qu'il savait lui-même qu'il céderait au désespoir. En tout cas, ne pouvant résister à l'absurde, Yorm le géant, le plus puissant et le plus noble des seigneurs, orchestra sa propre mort, ne pouvant supporter sa condition, mais trop fier pour mettre lui-même fin à sa vie. I am Ludlith of Courland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corse. The fast fading flame must be linked to preserve this world. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a colossus. Si Aldrich, par son cannibalisme et son église hypocrite dégénérée, peut sembler être le plus détestable des seigneurs des cendres, c'est sans compter le jeu habituel de la saga Dark Souls sur les apparences. Dans Dark Souls, les choses sont toujours plus complexes que la façon dont elles nous apparaissent. Dans le premier, nous avions l'impression que la lutte pour l'entretien du feu nous mettait dans le camp du bien, alors que c'était l'inverse. Nous étions les esclaves d'une machination mythologique. Dans Dark Souls 3, le pire des seigneurs des cendres n'est pas un ennemi, mais un allié. Ludlet de Courland est le quatrième seigneur des cendres. Il est le seul à être resté sur son trône au sanctuaire de Lichefeu, attendant avec impatience son sacrifice. Présent dès le début de l'aventure, il procure aux joueurs de nombreux conseils et même sera l'un des personnages les plus utiles grâce à sa capacité de transmuter les âmes des boss vaincus en armes très puissantes. À chaque victoire, il nous flatte et nous encourage à continuer notre tâche. De serviable, il devient de plus en plus servile à notre égard. Alors que nous étions au début qu'un vulgaire serviteur du feu, nous gagnons son estime par le massacre de ses congénères. Et quand il nous parle de lui, il nous parle avec orgueil de son sacrifice, de son dévouement inébranlable au feu. Ludlet n'impressionne ni par sa taille ni par son apparence. Sa petite taille semble nous dire qu'il ferait partie de la race des pygmées, les ancêtres des hommes. Pour lui, il n'y a pas de plus grande fierté que d'être sacrifié au feu. C'est par cela qu'il gagnera une grandeur inégalée. Ludlet est un esclave de la première flamme et de son mythe. Pire, il se confond avec elle. Il n'a ni identité propre ni aspiration autre que la première flamme. Pour se réaliser, il se soumet à une idée vide et sans fondement à partir de laquelle il va fonder une grandeur illusoire. Pour le coup,
Ludlett incarne plutôt la figure du religieux que l'on peut trouver chez Nietzsche, un philosophe allemand qui inspirera beaucoup Camus. Chez Nietzsche, le croyant par faiblesse, par peur et par mesquinerie, se projette dans le dieu qu'il vénère, incapable de trouver en lui la force intellectuelle de produire ses propres valeurs et ses propres représentations. Il se dissout volontairement dans la fiction de la divinité, se plongeant dans un arrière-monde fantasmé, incapable de vivre par lui-même. On peut ajouter que Ludlett incarne parfaitement ce mépris du corps, propre à l'esprit religieux selon Nietzsche. Son corps est atrocement brûlé, et ses jambes ont été consumées par les flammes. Mais qu'importe, il n'y a pas de plus grande gloire que de se lier au feu. Ludlett fait passer l'idée de divinité, l'arrière-monde de la première flamme et la réalisation illusoire de soi avant la vie et le corps. C'est ce que Nietzsche appellerait un contempteur de la vie, un être qui méprise tout ce qu'il y a de vital pour le mortifier et le sacrifier à une puissance supérieure imaginaire. Mais il y a pire. Ludlett n'est pas simplement un petit être à l'orgueil bouffi et fanatique qui ne voit de sens à sa vie que dans le sacrifice de la première flamme. C'est un être monstrueux qui, au nom de ses idées mortifères, n'hésita pas à faire périr des innocents par milliers. Si rien dans son apparence ne le laisse présager, nous en apprenons plus sur son compte à la fin. Lorsque les restes des seigneurs des cendres sont ramenés, ceux-ci sont consumés pour nous ouvrir la voie vers le kiln de la première flamme. À cette occasion, Ludlett est lui aussi consumé et laisse à sa place un étrange anneau. L'anneau crâne, un objet attirant les ennemis à nous. Pourquoi un tel anneau? Une lubie des développeurs offrant aux joueurs de hausser la difficulté? Peut-être. Mais la description est assez accablante. Une invention née de l'art de la transposition développée à Courland et dérivée de l'âme d'un dévoreur d'âme. Cet objet attire l'attention des ennemis. Le dévoreur d'âme engloutissait l'âme de ses proies afin de satisfaire sa soif de puissance. On dit que lors de sa crémation, les relents méphitiques des âmes qui fermentaient en lui empuantirent l'atmosphère de manière irréversible. Voici donc la vérité. Le fanatisme de Ludlett était tel qu'il utilisa sa magie pour attirer et engloutir des âmes innocentes afin de se rendre digne du feu. C'est un génocidaire responsable de la chute d'une nation entière pour uniquement contenter son aspiration mesquine à se lier à la flamme. Il est ce croyant prêt à faire périr le monde, à infliger les autres, à détruire les chairs, au nom d'un but transcendant. Mais ce but n'a rien de noble. Ce n'est qu'une excuse. Une excuse terrible. En se vouant à la divinité, en dévorant les autres au nom de cette fille, Ludlett est le pire d'entre tous. Un véritable monstre caché sous le vernis d'une politesse obséquieuse et d'une vertu illusoire. La mission divine que s'est auto-attribuée Ludlett n'était là que pour satisfaire son ego, incapable de trouver en lui quelque chose. Paradoxalement, plus il dévorait les âmes, persuadé de sa légitimité et de sa vertu, plus il se vidait intérieurement. Ludlett, le monstre de Courland, le pygmée qui voulait être un colosse, tristesse du ressentiment. I am a lord. A wee flame, belike. But I shoulder the world. Noble lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Thank you.
let her grant death. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. L'histoire des Seigneurs des Cendres s'achève avec l'une des scènes les plus obscènes de la série. Qu'ils aient été vils, bons ou majestueux, les seigneurs, malgré leur puissance, sont tombés. Il ne reste que leurs restes cendreux que la morte flamme installera sur leur trône. Car telle était la mission, les ramener, morts ou vifs. Car après tout, seule la puissance qui réside en eux intéresse la première flamme. Dans une parodie de cérémonie solennelle, la gardienne du feu s'adresse au reste des seigneurs, les enjoignant de remplir leurs devoirs. L'obscénité est là, dans cette injonction aux cadavres de ennemis tombés sous nos coups, qui tentèrent d'échapper désespérément à l'injonction du mythe. La révolte a échoué. Les seigneurs n'ont pu résister au désespoir de l'expérience de l'absurde. Et même dans la mort, ils n'ont pu trouver la liberté qu'ils espéraient. La première flamme réclame sa livre de chair. Le mythe est plus fort que tout. Le système en place a vacillé, mais reste en place. À moins que la révolte ne vienne de celui que l'on n'attendait pas, de cette esclave docile qui, en silence, apprenait « La connaissance est mère de la révolte ». Ashen One, hearest thou my voice still?